Hey, salut les amis, comment ça va? Ici Daclesia et bienvenue pour ce premier épisode sur Hollow Knight. Hollow Knight est, je pense, le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Avant, ce titre allait à, par exemple, Wind Waker ou Okami. Et peut-être que Breath of the Wild s'y approche un peu, mais de tous les jeux auxquels j'ai joué, je pense que Hollow Knight est celui qui a eu le plus d'impact sur moi. Et il y a une très bonne raison récente qui fait que j'ai envie de le partager avec vous. On va commencer une nouvelle partie. On pourrait aller en mode âme d'acier, qui est un peu le mode mort définitive, mais non, j'ai envie de... J'ai pas envie de me prendre la tête et ça fait tellement de temps que j'ai pas joué au jeu que je me fais pas confiance pour y jouer. C'est parti. La première chose que j'aimerais vous faire remarquer sur ce jeu, c'est la direction artistique, qui est absolument à couper le souffle. Rien que la toute première fois que j'ai lancé le jeu, j'ai vu cet écran de début, et j'ai su que j'allais passer un bon moment. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant, on a ici un ennemi de base. Il suffit juste de lui taper dans la tête et on en est débarrassé. Il drop un petit peu d'argent, des trucs classiques pour le moment. Donc ouais, pour l'instant on peut sauter, foutre un coup d'épée et c'est tout. Ces cailloux ici sont des grosses sources d'argent. Il suffit de les taper jusqu'à ce qu'elles explosent. Et pas grand-chose d'autre à faire à part progresser. Être supérieur, ces mots sont pour vous seul. Votre grande force vous marque parmi nous. Canalisez votre âme et vous accomplirez des exploits dont que d'autres ne peuvent que rêver. Et ça, c'est un autre pouvoir qu'on a. Je vais me faire exprès de me laisser blesser par cette bestiole. Et si je maintiens enfoncé le bouton B, je peux me soigner. Cette jauge en haut à gauche représente la capacité... Représente un peu notre mana. Et ouais, je peux aussi viser en haut, en bas. Je peux viser dans toutes les directions. Enfin, oula. Mais ouais, du coup, cette jauge en haut à gauche représente notre mana et elle se remplit à chaque fois qu'on frappe des ennemis. Et on peut se soigner en plein milieu d'un combat, il n'y a pas de souci, mais
Faut avoir une ouverture pour ça, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et ici, on a des espèces de papillons qui nous donnent des points de vie bleus. Ce sont des points de vie temporaires, un peu comme de l'armure, qui ne se régénéreront pas si on les perd, mais qui permettent d'avoir un petit peu de défense supplémentaire. Eh, c'est pas très poli, ça. Il y a des géodes par là, mais je peux pas aller les récupérer. Pas aller par là non plus. Il y a un petit passage planqué ici. Et ça va être quelque chose d'assez récurrent dans ce jeu, les secrets. Ce passage ici, vous vous dites, oh, c'est beaucoup trop loin, je pourrais jamais réussir ce saut. Je vous présente une autre mécanique principale de ce jeu. On peut faire du pogo en frappant vers le bas sur tout ce qui est offensif, que ce soit des pics, des ennemis, à peu près tout. Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Au sein de nos terres, ne cachez pas votre vraie forme. Que tous se réjouissent de votre splendeur, car seul ce royaume a pu produire des êtres tels que vous. Je sais pas trop ce que ça veut dire pour l'instant, mais... Eh. Fureur des disparus. Ceci est un charme. On peut équiper les charmes à tous les points de sauvegarde, et uniquement aux points de sauvegarde. Et je peux descendre par ici? Je peux descendre par ici, oui. D'accord, ça me ramène en arrière, parce que je pouvais pas revenir de l'autre côté, ok. Ça va être le moment de vous montrer l'écran d'inventaire. Donc ici, on a nos pouvoirs pouvoirs magiques, pouvoirs d'âme, apparemment. Ici, on a notre aiguillon, qui représente notre arme. Et ici, on a nos charmes. La fureur des disparus coûte 2 emplacements, et vous pouvez voir qu'on en a 3. Enfin, on peut avoir un charme équipé, mais on n'a que 3 emplacements. Et ceci augmente énormément nos dégâts si on est proche de la mort. Un charme utile si on aime bien un gameplay un peu plus risqué. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu de point de sauvegarde, donc on va pas pouvoir l'utiliser pour le moment. Et maintenant qu'on est revenu ici, je vais en profiter pour récupérer cette géode. Hop, du coup, on va pouvoir continuer par ici. Et je sais ce que vous vous dites, pour l'instant, le jeu a juste l'air d'être triste, sale, sans beaucoup d'ambiance. Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Au-delà de cet endroit, vous entrez sur la terre du roi et du créateur. Franchissez ce seuil et respectez nos lois. Soyez témoin de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel, Alaonest. Comme je disais, pas vraiment beaucoup de d'ambiance. Mais c'est sur le point de changer. Bien le bonjour, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu. Un par un, ils sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps, mais il attire toujours tout un tas de monde dans ses profondeurs. Richesse, gloire, illumination, ces ténèbres semblent tout permettre. Fais bien attention à toi, l'air en bas est malsain, les créatures deviennent folles, et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. Bienvenue à Dirtmouse.
et bienvenue à notre premier point de sauvegarde. Ces bancs nous serviront de lieu de repos, où on pourra récupérer tous nos points de vie, et comme vous pouvez le voir, ça m'a également fait perdre les cœurs temporaires, mais également de points de sauvegarde. Est-ce que vous commencez à saisir un peu l'attrait de ce jeu? Dis-moi plus, papy. Nombreux étaient ceux qui venaient ici, espérant que le royaume satisfasse leurs moindres désirs. On l'appelait autrefois Alaonest, soi-disant le plus grand royaume qui ait jamais existé, rempli de trésors et de secrets. Maintenant, ce n'est rien de plus qu'un tombeau toxique, infesté de monstres et possédé par la démence. Je suppose qu'éventuellement, tout disparaît. C'est triste. C'est très triste. Pour toutes vos fournitures de cartographie, nous serons bientôt ouverts, Iselda et Cornifère. J'imagine que pas tout le monde a déserté cette ville. Et j'imagine que ça, c'est le puits pour descendre en bas. Mais avant de faire ça, explorons un petit peu par la droite. Parce que bon, quel type d'aventurier serions-nous si on n'allait pas explorer? Une porte en pierre avec une serrure simple. On n'a malheureusement pas de clé pour l'ouvrir. Donc pour l'instant, ça va rester fermé. Mais gardons ça en tête pour plus tard. Et nous voici aux routes oubliées. C'est maintenant que commence vraiment notre aventure. Avec, comme vous pouvez le voir, plus d'ennemis. Une créature qui nous ressemble, enfin qui nous ressemble si on veut, qui a l'air humanoïde en tout cas, mais qui semble avoir perdu la raison. Si vous avez eu un petit peu de... Si vous l'avez regardé un petit peu, vous auriez sans doute repéré un petit détail à propos de cette créature. On va commencer par explorer par la droite et arriver au temple de l'œuf noir. Bonjour, c'est un plaisir de rencontrer un autre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit, mais tu as l'air costaud. Je suis Quirrell. J'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume révèle de nombreux mystères fascinants, et le plus intrigant d'entre eux est juste devant nous. Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf est-il chaud? Quoi qu'il en soit, il a l'air unique en son genre. Peut-on l'ouvrir? Il y a des marques étranges partout dessus. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait quelles autres merveilles se trouvent plus profondément en dessous de nous? Je me sentais attiré ici depuis si longtemps. J'ai entendu tant d'histoires merveilleuses et effrayantes à propos de cet endroit. Je ne pouvais plus résister. Je devais venir voir de mes propres yeux. Et je suis arrivé au parfait moment. Ce monde mort rejaillit à la vie. La terre gronde et les créatures s'agitent. L'air est lourd. Je me demande ce qui en est la cause. Si ce Quirrell décide d'explorer les endroits inexplorés, j'imagine que ça veut dire qu'on risque de le recroiser pendant notre aventure. On peut continuer à explorer par la droite, ce qu'on va faire. Et ouais, ces créatures ont l'air d'un peu d'être des zombies, non? En tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir leur raison encore intacte. Cet ennemi ici, un peu plus dangereux que l'autre, parce qu'il vous charge au lieu de simplement marcher vers vous d'une manière désorganisée. Enfin, après cela dit, un peu plus dangereux reste sans danger. Il me semble que par ici... Oui, il y a une mine. Une mine. Je vais aller m'occuper de ce qu'il y a là-bas, mais avant, je veux juste montrer que ici, il y a un passage où on peut pas vraiment faire quoi que ce soit encore. Le sol tremble, donc c'est fragile, mais on n'a pas assez de force pour le péter. Un truc à garder en tête pour plus tard.
Ces statues ici, si on les tape, elles nous donnent de... Elles nous restaurent une grande quantité d'âmes, donc c'est juste un peu des points de mana. Et salut. T'as l'air d'être encore en possession de tes moyens. Oh, enterre pâle et légère, ma mère. Enterre les yeux. Oui, j'ai aucune idée de comment chanter ça sur le ton de sa chanson, donc chut. Enterre les yeux bien fermés, mon père. Enterre deux par deux, mes sœurs. Et quand tu auras terminé, enterre-moi dans l'heure. Haha, tu la connais, celle-là? C'est une de mes favorites. On peut chanter autre chose, si tu veux. Commence à chanter et je chanterai avec toi. Je suis prête à parier que tu as une voix magnifique. Alors dis-moi, que fais-tu ici? Si tu es venu pour devenir riche, t'as qu'à regarder autour de toi. Ces mines sont toujours pleines à craquer de richesses. Il y en a assez pour tout le monde. Prends une pioche et fais comme moi. Oh, enterre le chevalier avec son aiguillon brisé. Enterre le prêtre. Quelque chose au sujet d'une couronne? J'arrive pas à me souvenir du reste des paroles. Je vais juste la fredonner alors. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a l'air de pas avoir perdu sa tête dans ses profondeurs. Donc c'est tout pour cette direction-là. Si on va par ici, on va tomber sur plus de ces créatures volantes. Encore une source de géode. Et si on descend ici... On peut pas progresser dans cette direction, donc c'est un cul-de-sac. Cette porte servira de raccourci une fois qu'on aura réussi à aller de l'autre côté. Très bien. Donc, si vous tombez dans les pics, c'est pas la mort instantanée. Vous aurez juste, vous serez juste ramené à la dernière zone de terre ferme que vous avez touchée. Mais ouais, si on a moyen d'aller de l'autre côté, on aura peut-être moyen d'ouvrir cette porte et donc d'avoir un petit raccourci. Cet ennemi ici nous saute dessus au lieu de simplement courir vers nous dans une ligne droite. Mais encore une fois, ça reste un ennemi simple, dis-je alors que je me prends des dégâts. C'est pas les ennemis de base qui sont le danger principal dans ce jeu. Comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt inoffensifs. Est-ce que je me suis dirigé dans la bonne direction par erreur? Je pensais être en train de me diriger vers un... Je pensais être en train de me diriger vers quelque chose qui n'était pas la direction principale, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? C'est pas grave. Le but principal de jeu, c'est l'exploration. Eh ben, explorons. Je peux malheureusement pas sauter assez loin pour atteindre cette corniche là-bas. Mais tant pis. On va juste faire une note mentale de... qu'il y a un asticot planqué dans une bouteille. Encore des géodes. Encore des ennemis inoffensifs qui réussissent pourtant à m'infliger des dégâts. Ouais, ok. Là, on est de retour sur la route qu'on aurait pris si on était parti sur la gauche. Ce qui me fait dire que je ne me suis pas dirigé au bon endroit. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais récupérer de l'autre côté avant de me diriger vers là où on est censé aller. Comme vous en doutez, en étant mon jeu favori, je connais à peu près beaucoup de choses qu'on n'est pas censé y trouver en premier. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je l'ai pas mentionné, mais... contrairement à Wargroove, qui est un jeu auquel j'avais jamais joué avant, ce jeu, je compte le finir à 100%. D'ailleurs, je sais pas encore ce que je vais faire de Wargroove pour l'instant. Je verrai quoi en faire. Mais ouais, je compte finir ce jeu à 100%. J'espère assez vite, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une bonne raison pour laquelle j'ai voulu y jouer en premier. Enfin, j'ai voulu y jouer maintenant. Et oui, on est arrivé là où je pensais. Coucou. Donc ceci est un ennemi beaucoup plus puissant que ce qu'on a affronté jusqu'à présent. Ouf, ouf. Un débutant se dirait peut-être que, oh mon dieu, c'est quoi cette chose? J'ai aucune envie d'être ici.
Mais avec un peu de persévérance et en faisant bien attention d'esquiver après chaque attaque, on va finir par le vaincre. Coucou petit gars. Une bonne action de fête, même si on peut pas voir encore les conséquences. Ouais, maintenant qu'on a récupéré ça, je vais revenir au tout début. Et on va prendre le chemin qu'on est censé avoir pris. Comme vous avez pu le voir, les ennemis qui étaient préalablement ici ne sont pas revenus. C'est parce que, un peu comme Dark Souls, les ennemis, sauf pour les petites vermines qui ne font que tourner autour des plateformes comme ça, ces créatures ne respawnent qu'une fois qu'on a activé un point de sauvegarde. Donc, voilà. Mais écoutez, je pense que ça a été une bonne introduction. On a un petit peu exploré ce qui se trouvait dans ces routes oubliées. Et j'espère que vous apprécierez partager cette aventure avec moi, autant que moi j'apprécie la faire pour avec vous. En attendant, portez-vous bien !